Salut à tous et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse s'éclate sur Ark Survival. Il est 18h53, je m'en vais parce que là... nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Voilà, je m'en vais, j'avais une raie qui est... 53-10, hein, donc là c'est bon. Le 10, on est bien, le 10. Le 10, non, non, le 10, on est bien. Oh purée, tu fais quoi là? Ah ouais, le 10, c'est comme ça, d'accord. Ok, donc direction nord pour le 53. 55, 50, voilà, allez, hop, c'est juste en dessous, allez, on y va, allez, c'est quoi ça, c'est la baleine ça, non, ah non, c'est un denclos, purée, j'ai pas mal d'arrêts sur image, moi, c'est pas glop, hein. Alors, pile poil, hein, voilà, nickel, hein, pile poil. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver là-dedans. Là, tiens, je vais manger un peu. Voilà. Allez, on fait attention. C'est un petit dauphin qui n'a pas beaucoup de vie. Non, aller chercher les loots dans la grotte sous-marine 5310. Donc là j'ai pas, j'ai rien du tout. Ah je sais pas. Ouais. C'est vrai. Il y a une armoire je crois hein, là-haut donc à la limite je pourrais mettre. Ah il y a des arrêts humains sur. Attends là, laisse tomber quoi. Bon là il y a rien déjà. Hein. Que dalle ça. C'est quoi ça? Poisson. On pas grand chose hein. Ouais. Alors, voyons voir. C'est tout. Chose là-bas. Ah oui, il doit y avoir un beau rouge là, je vois la lumière. Ouais, un beau rouge. Alors là, ça on va l'enlever déjà. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Fusil à pompe légendaire. Schéma. Et c'est quoi ça? Chalicotérium, c'est quoi ça? Une selle rare, le schéma du chalitérium. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un lanceur de crotzouille. Bon, bon, il y a le fusil à pompe légendaire, le schéma, mais je pense qu'on en avait déjà. Mais c'est pas mal, c'était un rouge. Hein. Donc il y en a d'autres, hein. On va essayer de trouver ça. Salut Lasbouzeux, comment vas-tu Lasbouzeux? Bien, bien. Tranquille, tranquille. Hop. Bon, je vais essayer de trouver la deuxième cavité pour y aller à pied là. C'est que c'est. Donc c'est pas là. Je trouve la cavité, moi.
artefact. Bon, c'est pas là. Oh, je me rappelle plus, ni. C'est la sortie, là. Tu cherches la sortie et tu la trouves pas. Ça va en confinement toujours. Ouais, toujours, ouais. Ouais. Enfin, moi, ça me dérange pas trop. Mais pour ceux qui travaillent et tout, c'est sûr que ça doit être dérangeant. Ceux qui avaient l'habitude de sortir, ouais. On sait où ça? Je me rappelle plus. On va l'essayer par ici. Cavité. Bon, je trouve pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va pas. Ouais, je trouve la sortie du premier coup maintenant. C'est hallucinant ça. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant vers la maison. Sinon, on va peut-être se faire un petit mégalodon. Hein. Let's go. On va voir s'il y a une pieuvre aussi. Hein. S'il fait ça tranquille avec le mégalodon, on va voir. Hein. Gros niveau de mégalodon, pourquoi pas, pour aller dans la grotte au lieu de te prendre des basiques. Ah bah non, ils nous éjectent les méduses. C'est pour ça. Ou se prendre deux mégalodons avec nos basilos. Hein. Des gros niveaux. Ah. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, je cherche quoi? Je cherchais les loot à ce bouseux. Je voyais deux fois les interrogations, je dis tiens. Ouais, non, je cherchais les loot, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour voir ce qu'il y avait, mais c'était pas le truc principal. Maintenant, on va voir, j'ai mis un piège par là sous-marin, donc qu'est-ce qu'il y a là? Ça tape là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a plus de machin. C'est quoi ça? Esmeralda. Qu'est-ce qu'il fout là, mes loups, hein? Oh, il y a eu de la frappe là. Malheur de jeu. Puis, oh, bah ils sont tous là. Et mes trois loups là. Ah, oh, les mettre en cryo. Oh purée. Mais oh, il n'y a plus de place. Voilà, on va les mettre là déjà. Bon, on va mettre l'autre là-bas, et puis après on va aller voir si on peut faire un petit truc sympathique. Tic. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Allez, on y retourne. On va voir ce qu'il y a de beau. Je vais peut-être trouver le chemin et tout, c'est pas... Allez, go. Je vais peut-être prendre un autre Lazarus.
une Genfo. Petit mégalodon là, je sais pas quel niveau il est. Un Moza. Oh, c'est un alpha, purée, qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, c'est le piège. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir par ici? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? On va l'ouvrir déjà. Mais non! Voilà. Ah, le dauphin, le machin qui vient là. Un plésio. Un plésio et un requin. Bon, il a l'air d'être déterminé, plésio. Tu rentres? Allez, rentre. Voilà, rentre. Et moi, je t'enferme derrière, mais il y a le requin qui me prend le chou. Hop là, est-ce que je t'ai eu? Oh, ouais, je t'ai eu. Ok. C'est bon, j'ai un autre plaisir dans la caisse. Bon, je vais chercher ce qu'il faut, l'arbalète, les flèches. Ça nous en fera de plus. C'est quoi les croquettes déjà? C'est les mauves. Hein. Ouais, je crois que c'est les mauves. Hein, pour les plaisirs. Et puis tu regardes, non? Et les mégalodons aussi, si tu peux regarder, si jamais j'en ai un bon. Pourquoi pas? Je n'ai pas de mégalodons qui m'ont suivi, non, je regarde parce que. Voilà. Hein, comment tu fais pour avoir des dinos aussi haut level? C'est dans les paramètres. Ah non, c'est 150 maximum le bouseux. La bouseux. C'est normal, c'est niveau 150 maxi pour tous les animaux qu'on peut tamer, hein, parce qu'il y en a, ils sont au niveau 250, mais on peut pas les tamer, c'est ceux qui sont dans les grottes. Et niveau 180 pour les wyvernes et pour les T-Rex en conserve. Tech, voilà, c'est ça. Les violettes, ok. Alors, croquette. Ah bon? Ah bah alors c'est bon. Hein, alors j'en prends. 40. Les mauves, hein, c'est ça. Hein. Ok, super. Arbalète, flèche. Puisse l'endormir. Arbalète, flèche. Et puis quoi, ouais, je prends les piques. Mythique, ouais. Mythique. On en a deux, hein, il n'y en a plus que deux. Hein. GPS, je vais pouvoir le laisser ici. Et les flèches, j'en prends 300. Je vais assurer le truc. Voilà. Les schémas, je vais les ranger de suite. Les engrammes. Ça. Lazarus, flèche. Ça, c'est bon. Ok. Curie réchauffant, peut-être, si j'ai froid. Et puis, c'est bon. L'argent, ta vis bleue. J'ai cru voir ton... Ouais, 243. Bah, après, c'est les naissances, la bouseuse. Hein. Lui, c'est 240, tu vois, petit combattant. Donc, le petit combattant, tu vois, si je monte dessus, il y a les deux petites mains en haut à droite à côté de ma sa vie. Hein, tu vois, il y a deux points. Enfin, je sais pas, un petit logo. Ça veut dire que c'est un éleveur, un élevage. C'est dans quoi? C'est... créature pour voir les parents, c'est afficher les ancêtres. Voilà, donc on l'a fait croiser avec un niveau 270, le meilleur, un niveau 274 et un 191, et ça nous a donné un niveau 240, tu vois. Voilà, on a été jusqu'à Patounette 274, hein. C'est ça que tu as vu, non? 243, ouais. Ouais. Après, tu fais de l'élevage, hein, avec tes gros argentavis. Hein. T'en fais un 150, tu le tames, tu fais un sans faute, ça te fait 200, un niveau 224, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, un 224. Et après, tu les fais reproduire, et puis tu auras des hauts niveaux, quoi, tout simplement. Curry réchauffant. Non, sinon c'est 150 maxi, hein. Il n'y a pas de paramètres et tout ça, donc c'est pareil que l'officiel, nous.
croquettes. Curry réchauffant. Ouais, c'est ça. Bah, de rien, là, ce bouseux, hein, on est là pour ça. Hein. De toute façon, je crois pas que tu puisses mettre des paramètres avec des dinos plus de 150 maxi. Hein. Je pense pas. Maximum, c'est faut que tu mettes en x5 les dinos. Au début, c'était en x1. On n'avait pas de gros dinos. On avait commencé sur Valdiro, je crois, Reinarok, je sais plus. On n'avait pas de gros dinos et on a trouvé qu'il fallait mettre en x5 pour, comme l'officiel. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon, je vais voir le Plesio, là. Je sais pas quel niveau il est, mais bon, ça en fera de plus. Hein. Ça mange pas de pain, hein. Ça mange que des croquettes virtuelles, donc tant qu'à faire. En plus, un mégalodon, bah, je vais essayer de me faire un mégalodon et essayer de se taper un... Bah tiens, il est là, le mégalo, mais il va me prendre la tête, lui. Ouais, tu vas me prendre le chou, toi. Ouais. Je vais le virer un petit peu, s'il me suit... Que je fasse le Plesio, il est encore là le Plesio, j'espère. Ouais. Allez hop, vas-y. Suis-moi, mec. Oh là, t'as du mal là. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il sur ressort, lui, quoi. Allez, on va le semer par là. Vas-y, viens. Purée, il y a deux plombes. Allez hop, on le sème. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est une alpha. Vas-y, laisse tomber. Ouh, un mosazo et une pieuvre. M'a frôlé la garce. Oh, j'ai vu sa tentacule à côté. J'ai dit, ça y est, je suis mort. Purée. Il y a du monde là-dedans. Oh, encore un, là, machin. Là. Ça va être dur, là, ce... Oui. C'est quoi ça? Ah, un basilo, juste là, superbe. J'ai le basilo. Je sais pas, il faut que... Déjà, faut que je tame le plesio qui est là, mais avec tout ce qu'il y a autour, j'ai intérêt à faire bof. Purée. Voilà, si je laisse mon dauphin ici, rapide et jouer que dalle, c'est bon pour... Le requin qui est là-haut. Alors attends, je vais m'équiper, je vais mettre les bouteilles. Je vais mettre les palmes. Je vais sortir mon arbalète. On va commencer à taper le plesio. Alors le machin il est là, donc c'est bon. Alors si je peux me faire un basilo, un mégalo dans un plesio pour ce soir, moi je pense que Warlock il nous faut. Hein. Allez, mange ça toi dans tes dents. Eh non, tu vas où? Tu vas où? Eh, t'es dedans. Tu es dedans. Pourquoi il est à l'extérieur lui? C'est quoi ce beans? Rentre là-dedans. Pas le droit de sortir. Ouais, le Plesio. Attends, il avait tout le corps de, à l'extérieur. Je sais pas c'est quoi comme niveau. Je vais regarder de suite, s'il me permet. Arrêt sur image, c'est pas le moment, mec. Oh là 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 là, ça m'énerve, ça aussi, tiens. C'est quoi ça? J'ai tout noir maintenant. Ah, j'espère que c'est pas la méduse qui est venue me... Ah, c'est la méduse. Ah, c'est... Oh, les mégalodons. Eh, hey, il rentre là-dedans, lui. Oh, bourricot. Il m'a tué mon... Ah, j'ai pas de peau, hein. Ouais, bourrique. Oh, c'est... Ah, vas-y, bouge. Oh, non. Mais c'est pas possible. Bon. Bon, alors, attends, je vais l'endormir aussi. Moi, ça va être vite fait, cette histoire. T'es où? T'es là? Tiens, attends, bouge pas. Attends, je vais t'endormir. Ça va servir de repas à la tuteuse Otis. Oh le bouffon, je l'ai pas vu venir. Et puis on a plus de machin là. Bah de dauphin. Ah, il y en a encore. Ça m'a l'air d'être un gros niveau lui là, le mégalodon là, dis donc. Ah purée. Tiens, mange.
Hollandais, c'est quand tu veux, là. Ouais, ça doit être un gros niveau, lui. Je vais mettre un petit coup. Ah, il y en a deux. Oh, purée, il va me bouffer ce que je vais endormir. Purée, bouge-toi. Est-ce que je vais avoir assez de flèches, moi? Ouais, normalement. Ah, ça y est, il se barre, lui. Il a eu ça. Non, non, reste là, reste là. On va pas t'endormir plus loin, toi. Reste là, mec. On va bientôt dormir. Donc, tu reviens, là. Ça en rend, là. Plaisio qui est là, là, oh, purée. Ah, oh, ça y est, il se barre l'autre. Il est pas aussi. Ah, oh, il dort, bien sûr. Oh là là, tu sais jamais quand il dort ou pas. En train de le bousiller, là. Et toi, là, tiens, mange encore. Là. Ah, il dort peut-être, non? Ah, il dort aussi. Oh, ça, je vais le récupérer avant que la selle. Voilà. Bon, j'en ai deux qui sont endormis. Il y en a un qui s'est barré. C'était le... Ah, il est là. Je sais pas si c'est lui, mais bon, il est pas content. C'est chillé. Eh, t'es où? Ah, il est là. Baba. Vas-y, bouge. Baba. Oh, purée, bouteilles rouges. Ah bah, je peux pas les prendre, les bouteilles rouges. Je me fais croquer, moi, je suis mort. Chillé. Ah, il est là-bas. Il se barre. Je sais pas si je le touche de là. Ouais, touché. Tu reviens? Allez, vas-y. Tu m'arraches. Oh, puis il y a une raie là. Oh là 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 là, mec. Ah, touché, touché. Ça y est, il s'est endormi. Voilà, 3. C'est la raie qui me fait peur maintenant. Alors, voyons voir. Niveau 55. Salut Zeus, excuse-moi, j'avais pas vu. Niveau 100, et mets-lui tout dans les PV. Niveau 100. Bon, lui, ça va être un... Non, non, 55. Là, j'en ai un. Niveau 15. Et Plesio. Niveau 5. Ouais, d'accord, ok. Bon, je suis au fond de l'eau. Est-ce que j'ai une cryo? Ouais, j'ai une cryo. Ça va, Zeus? Moi, ça va. Tranquillou, tranquille, Zeus. Impec. Il a fait beau, on a fait du jardin, on a le dos cassé. Tout va bien. Voilà, on se fait des... Ouais, faut que je remonte, moi. Faut que je remonte. Je vais essayer de... Oh là, attends, j'ai une oreille ici. Bon, j'essaye de remonter. Hein. Ouais, je suis en face. Hein. On se remonte. Là, j'ai ma vie qui est presque foutue. Les bouteilles rouges, je peux pas les boire. Ouais, bah, il m'a pris par surprise, mon dauphin, l'autre, là. Ah, t'as baissé tout le week-end sur ma chaîne et j'ai pas fini encore. C'est long. Ah ouais? Ah oh bah tu vas nous faire une belle chaîne alors Zeus, nickel. Ça va être super. Impeccable. Tu nous fais ça aux petits oignons. Ah ouais, j'ai le basilo en plus à faire. Donc il faut que j'aille avec un basilo. Donc Plesio, les deux requins, ça me fait 3 cryos.
plus le basilo, ça fait 4 cryos, c'est les croquettes jaunes, et j'y retourne avec un basilo. Allez hop, on va chercher tout ça. Bah, le plus long, c'était les feuilles d'impôt et tout. Ah bon? Les feuilles d'impôt? Ah, t'es dans tes impôts alors. C'est quoi ça? Ah bah ça, bon, j'ai pu remonter. C'est bien, bien, bien. On aura deux mégalodons hein, pour aller chercher les corps. Hein, à défaut de dauphins. Hein. Ça, je vais l'enlever. Voilà, ça aussi. Donc, bouteille rouge, vite, vite, vite. Voilà, bouteille rouge. Alors, j'ai dit 4 cryos et un basilo. On y go. Ah bah si je fais tout ça ce soir, ça sera nickel. Hein. Ah, t'es là. Est-ce qu'on a des cryos vides? Je pense encore un petit peu. Allez, 1, 2, 3. Ça fait... Ouais, 4 cryos, c'est bon. Les flèches, j'ai plus besoin. Les flèches, je vais les remettre. Flèches. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est des... Oui, la torpeur, je suis bête. Vite, vite, vite. Ça. La torpeur, donc il me faut du machin. Hein. La toxine. Je vais prendre la toxine qu'il y a au bout, là. Ouais, ouais, toxine. Vite, vite, vite. Avant qu'il se réveille. C'est des petits niveaux, en plus. Et le basilo. Allez, go. Je te prends petit combattant. Hein. Je te... c'est le mien le petit combattant? Ah bon? Ok. Alors je me suis pris le petit combattant. Je vais chercher un basilo. Tu dois fournir à Twitch ton numéro fiscal pour t'affilier. Pour ça, faut retrouver déclaration. Oh là ouais, alors là. Oh, je crois qu'il était mort lui. J'ai eu peur. Allez, on y va, Papy Mouzo de Cogère. Let's go. Allez, on y va. 27 minutes. Ça sera à mettre aussi en cryo. Hop là. Attends, faut que je remette mes... ça. Et les palmes, vite. Voilà. Hop. Allez, go. Voilà, je pense que j'ai tout pris. Je vais y mettre un niveau. La vie, l'attaque. Je vais y mettre la vie. Pourquoi il a 100 perles, lui? Ah ouais, si... Ah ouais. Hein. Faut que je le perde. Hein. J'ai 100 perles noires avec le basilo, là. C'est bizarre, ça. Allez, go. Voilà, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.